Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bing AI. Et cet outil est de plus en plus intéressant. J'avais fait déjà une première vidéo pour le présenter et j'étais un peu sceptique parce que l'installation est compliquée si vous avez un ancien système. Mais pour la réécriture de contenu, automatiser le contenu, il est plutôt pas mal. Et son grand avantage, c'est qu'il peut aller sur le web. Ce qui fait que vous pouvez lui donner une URL, par exemple un article que vous voulez réécrire ou traduire, et il va le faire. Donc, pour vous donner une idée, donc ça c'est des images que j'ai créées avec Leonardo. Hop. Voilà, ça c'est un de mes sites, hein, qui est un site d'actualité. Et ces deux articles, en fait, c'est Bing qui les a créés à partir de ces articles-là en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, c'est celui-là. Donc, c'est grosso modo une espèce d'article un peu humoristique où des robots qui nettoient fusées le ménage chez Google ont été licenciés parce que le projet a été abandonné. Donc, voilà. Et ce qui est cool, c'est que Bing va pas mal améliorer l'article. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc c'est pas du tout une traduction littérale, il a vraiment ajouté sa propre patte en fait. Et c'est lui qui l'a fait ça. C'est quasiment automatique en fait. Et par exemple, donc ces robots, Bing, en fait, ici, vous avez maintenant le type de conversation que vous pouvez avoir, créatif. C'est ce qu'on va faire, équilibré ou précis. Donc précis, c'est très factuel. Équilibré, c'est équilibré. Et créatif, c'est que il peut partir en vrille. Mais c'est ça qui nous intéresse. Et donc, c'est ce que j'avais choisi en créatif. Et en fait, Bing AI a inventé des employés de Google qui étaient outrés, qui étaient scandalisés que ces robots aient été mis à la casse. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout présent dans l'article de base. C'est pas du tout présent, c'est un article assez court en fait. Et donc, pour vous dire comment ça marche, on va prendre un autre article. Donc voilà, par exemple, Apple n'aime pas l'AI. Voilà. Et voici ma prompt. Réécrivez cet article en français au format d'article de blog. Utilisez un vocabulaire guiché diversifié avec des tons émotionnels et humoristique, et je colle l'article, et c'est ça qu'on va lui donner. Donc, hop, je choisis l'article créatif. Et dans la dernière vidéo, je me lamentais que ce le champ ici est limité, c'est à peu près 2000 signes, donc 300 caractères. Mais en lui donnant directement l'article, il va le faire puisque lui, il peut aller sur le web en fait. Donc, lui, voilà, il a. Après, j'ai remarqué que en fait, la manière dont il écrit l'article, c'est-à-dire au format tactique de blog, il va toujours essayer de faire les mêmes choses. Vous connaissez ChatGPT et vous voyez ici, voilà, son ton est beaucoup plus personnel que ChatGPT par exemple. Voilà, donc il a créé l'article. Et c'est vraiment bien. Après, il y a quelques corrections à faire. Voilà. Là, il vous demande des entrées et vous pouvez refaire en plus long et détail. Si vous pensez que c'est beaucoup trop court, en fait, vous pouvez le faire, en fait. Donc. Voilà, il va le refaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que directement, il va mettre les liens. Donc, vous avez vraiment tout ce qui est formatage, en fait. Vous devez. Il vous mâche le travail de manière assez importante. Un autre article que j'avais écrit, c'était hier, c'était ça. C'est l'offset noise dans Stable Diffusion, une technologie qui vient d'être inventée. Grosso modo, ça permet d'avoir des images beaucoup plus nettes. Et voyons voir, voyons voir. Voilà. Ça, c'est l'article original. Et donc, cet article est beaucoup plus long. Beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'en fait, à la base, j'ai utilisé Bing AI.
C'est que je voulais pas me taper. C'est vraiment parce que c'est comme un papier scientifique. Et Bingaï a tenté de le faire. Le résultat n'est pas parfait. Mais il a bien fait après tout ce qui est imagé et tout. C'est moi qui les ai trouvés. Même si Bingaï, en fait, il a scanné cette page, il a directement donné l'URL des images. Mais l'URL ne pointait pas dans la même direction. Donc voilà, c'est il a écrit l'article. Après, il est un peu long, mais ensuite, je trouve que par rapport, par exemple, à ChatGPT, rapport à ChatGPT. Il est beaucoup plus impactant. Ses titres sont beaucoup plus travaillés, en fait. Donc, et accrocheur pour cet article. En fait, ça vous permet vraiment de mâcher le travail. Après, ce qui va compter sur l'aspect humain, c'est justement votre veille, c'est-à-dire trouver les bons articles. Voilà. Et vraiment, regardez, l'IA qui révolutionne l'email, mais qui fait peur à Apple. Et c'est vraiment un titre putaclic. Il y a des gens qui vont faire ça. Et vous pouvez aussi générer trois métadescriptions pour cet article. Après, il y a un problème avec Bingay, c'est que soudainement et sans prévenir, il va arrêter la conversation. Net. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais voilà. Et donc là, c'est des métadescriptions. On pourrait la raccourcir, mais c'est vraiment bien, puisque moi j'utilise ChatGPT pour ça. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus supérieur. Et on peut aller plus loin. Je voudrais illustrer cet article avec une image ouverture. Donnez-moi des idées. Et là, il y a des gens qui utilisent par exemple ChatGPT justement. Voilà. Donc, il vous donne directement ça. Et c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment cool, quoi. Et ça, vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez mettre ça dans Leonardo AI. Après, il faut bien travailler. Hein. Et. Par exemple, cette miniature-là, c'est cette miniature de la vidéo actuelle que j'avais demandé à Bingay de me décrire. Donc, l'outil est vraiment puissant. Vraiment, il est vraiment puissant. Hop, une autre astuce amusante, c'est que vous pouvez combiner plusieurs URL. Vous voyez, donc ça, c'est ma prompt. Donc, ça, c'est le film RR. Comment est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est donc j'ai tapé RRR Movie Review. Donc, RRR, c'est un film indien qui est très célèbre en fait, film d'action extrêmement démesuré, du spectacle hein, comme du cinéma indien. Donc, j'ai tapé Review et j'ai pris un peu au hasard trois articles sur justement les avis de ce film en sachant que j'avais jamais testé les deux multiples URL. Donc, là, j'ai été beaucoup plus précis. Écrivez ces trois articles en français, combinés en un seul article de blog dans un ton de journaliste spécialisé dans le cinéma indien. Utilisez un vocabulaire riche et diversifié. Et voilà, il a écrit. Pour moi, la seule limite, c'est que c'est le résultat qu'il produit est court. C'est pas. Ça rend pas hommage aux articles originaux. Mais pour tout ce qui est résumé, tout de suite, en fait, si vous gérez un site d'actualité ou des blogs, c'est génial. Voilà. Et on peut lui. Est-ce que cet article reprend des éléments et trois URL que je voulais. Et ça vous dit, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la prompt engineering, vous savez, toute cette histoire de oui, moi je connais la prompt, etc. Là, vous pouvez vraiment lui demander, vous pouvez lui parler naturellement, c'est ça que j'adore en fait. Et donc, je lui ai dit, parce que je trouve que c'est court,
l'article, je me dis, est-ce qu'il a repris vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'il a résumé est-ce qu'il a résumé le contenu qu'il y a dans les trois URL? Et lui, oui, ils disent que. Après, je lis, bon, sachant que je ne les ai pas lus, hein, ces articles, il faudrait que je les lise et je pense qu'il faudrait ajouter plus de choses. Et on peut. Il vous donne déjà des réponses prêtes à l'emploi, genre. Voilà. Et là, il peut vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute, etc. Et ça vous permet, en fait, ça vous permet, par exemple, explication. Avec le cinéma hollywoodien. Il semble être dans une impasse. Et là, sur ChatGPT, vous pouvez vous aussi faire ça, enrichir de plus en plus avec votre entrée. Là. Et donc voilà, il va ajouter le paragraphe puisque je lui ai demandé, t'as pas parlé du cinéma indien qui s'internationalise beaucoup. Et il a rajouté. Et donc, ça dépend aussi de votre expérience. Donc, si vous avez accès à Bing AI, il y a beaucoup de gens qui commencent à y avoir accès. N'hésitez pas à utiliser cette technique-là. Et ça marche pour tout. La vidéo actuelle, donc cette vidéo que vous regardez, la miniature, c'est Bing AI qui m'a donné la prompte, si vous voulez. Donc, ça peut faire. La description, c'est lui qui l'a créée aussi. Donc, il peut vraiment automatiser certaines tâches. Après, l'action humaine sera toujours nécessaire parce que c'est votre expérience qui va déterminer l'invite ou la qualité de l'invite qui va donner le meilleur résultat ou non. Donc, c'était juste, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'espère que cet outil va s'améliorer, notamment en termes de limite de réponse. Mais voilà, c'est pour tout ce qui est automatisation de contenu, pour ceux qui produisent beaucoup beaucoup d'articles, ça peut être vraiment génial. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.